Cette pionnière et combattante dirigea un réseau de renseignement dans le nord de la France occupée pendant la Première Guerre mondiale. Courage, dévouement, patriotisme, héroïsme, quatre mots qui définissent très bien Louise de Bettigny. Nous allons vous raconter dans cette courte vidéo son histoire qui débute le 15 juillet 1880 dans une jolie chambre à Saint-Amand-les-Eaux.